te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour cette rencontre. Seigneur notre Dieu, veille nous bénir. Et merci de nous assister ce soir. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Bonsoir. Que Dieu bénisse. Amen. Fatigué, mais ça va aller. Amen. Après le cul, je suis allé me délivrer avec un petit sommeil. Et dans le lit, le Seigneur m'a réveillé et dit, va faire ton travail. Amen. Amen. Depuis que je suis arrivé, je n'ai même pas un temps de repos. Mais bon, j'essaie de gérer ça comme ça. Je suis fatigué, mais dans le lit, dormir. Mais ça va aller. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Recevez toute la grâce du Seigneur. Amen. Demain, j'ai un jeune qui démarre. Un jeûne de 21 jours, parce que le monde de août, pour plus à ce jeûne à 21 jours, c'est un jeûne qui est très important, ça brise beaucoup de choses, ce jeûne-là. On a vu Daniel, il a fait un jeûne de 21 jours, après le jeûne de 21 jours, comment Israël a été restauré. Donc ce jeûne de 21 jours-là démarre à partir de demain. C'est-à-dire demain 7 août jusqu'à 27 août. Voilà, c'est un jeûne qui est discontinu. Le jeûne-là, c'est-à-dire qu'on mange tous les soirs. On mange tous les soirs, de préférence la grillade. On n'a qu'à laisser les sauces là. Hein? La cali, la polo, on n'a qu'à laisser tout ça. C'est bon, mais on doit laisser tout ça. Souvent, il y a des gens. Moi, c'est quand j'étais à Zaroko qui a vu qu'il y a des gens qui mangent à minuit foutu. Et puis ça n'a pas d'effet. Alors moi, si j'ai mangé foutu à 16 heures, j'ai problème. Bon, chacun a son organisme. Voilà, donc ce jeûne-là, c'est un peu de beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Souvent, quand on voyage, on dit non, mais bon, faut manger salade. Toi-même, tu n'es pas habitué à ça, mais tu oublies de manger salade. Parce que depuis que tu as laissé le sein de ta maman là, chez nous c'est un enfant, pour manger, on lui donne une cuvette de riz et puis l'enfant il dort sur le plat. Il dort là et puis on va le mettre dans le lit. Vous comprenez donc qu'on a grandi dans tout ça là. Ce qui fait que quand on te dit pour manger un peu de salade, ça ne peut pas aider ton estomac. Si tu as mangé ça la nuit, 23, 1h du matin, tu te lèves pour fouiller dans le congélateur. Parce que l'estomac a besoin de beaucoup de choses pour être en forme. Moi, ce jeûne-là, c'est un jeûne. Quand on dit jeûne, c'est s'abstenir, n'est-ce pas, de nourriture et tout ça. Et ce jeûne-là, c'est à partir de 0 heure. C'est-à-dire qu'il est minuit, le jeûne commence. Pour nous, les chrétiens, ce n'est pas des soirs de carême où on doit se lever et puis on doit faire un blindage. À 5 heures du matin, on se blinde. Tout est dedans, momi est dedans. Bakamen vient même pour couronner tout ça. Le gars il mange du vers midi, il insulte tout le monde. C'est pas ça. C'est pas un jeûne comme ça. C'est un jeûne où. Parce que si tu as mangé à 5 heures, tu vas faire. Or ce jeûne-là, c'est un jeûne. Le jour commence à partir de 0 heure. C'est-à-dire 0 heure, il fait déjà jour. Vous regardez même la montre quand elle est partie de minuit, ça prend la date du lendemain. Voilà, donc le jeûne-là démarre à partir de demain 7. Vous savez, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes issus des familles. Issus des familles. Donc, par moment, on n'est pas chrétien. On le devient. Amen. Passe par la foi. Vous comprenez? Et donc, la plupart du temps, il y a des choses que les parents ont fait et qu'on veut ou pas, ça nous influence. Amen. Amen. Ça nous influence. C'est vrai que l'âme, l'esprit est sauvé. Hein? On est sauvé. L'esprit est sauvé. Mais l'âme est encore captive, l'âme encore dans une captivité. Ce qui fait que tu crois en Jésus, tu crois que tu as le salut, mais il y a des choses qui ne vont pas. Tu crois que tu as le salut. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu crois que tu es enfant de Dieu, mais les choses ne vont pas comme si ça devait aller. Ça veut dire quelque part, il y a quand même une prison spirituelle et tout ça. Et le jeûne de 21 jours brise beaucoup de choses. Vous savez, Daniel, quand vous lisez, prenez ce jeûne-là, c'est-à-dire à partir de demain, chaque 3 jours, il y aura un sujet.
À partir de demain, le sujet qui sera abordé, c'est demander pardon pour les péchés de nos parents. Quand David et quand Daniel abordaient le sujet, Daniel, il n'avait pas de difficultés. On le reconnaissait, il était vraiment à l'aise. Mais à un moment donné, la promesse, ils attendaient tous la promesse de Dieu. Dieu avait promis la délivrance, ils ne voyaient pas cette délivrance-là. Donc, il s'est jeté dans un moment de prière et c'est après tout ça que le peuple d'Israël a été restauré. Donc, frère, il y a des choses, tant que tu ne fais pas, les choses ne vont pas marcher. Par moment, il faut laisser foutre. Par moment, laisse foutre, laisse Kabato, laisse Sosplala, laisse George Jumblé, il faut laisser Sioko. Et puis maintenant, fais du sérieux. Il faut entrer dans la présence de Dieu. Jésus lui-même, à un moment de sa vie, il a gêné. Il a gêné. Moi, il m'est arrivé, il a fait trois jours, trois fois, 21 jours de jeûne, trois fois. Et ça m'a aidé. Le jeûne de 21 jours, c'est un jeûne très puissant. Si vous voulez rentrer dans une dimension du ministère, il faut ce qu'on appelle le percer ministériel. Il faut jeûner. Parce que Jésus, lui-même, avant de commencer, il a fait le jeûne de 40 jours. On a vu aussi Moïse. Moïse aussi, sur le mont Sinaï, qui a démarré par un moment de jeûne. D'abord dans la présence de Dieu, il n'y avait pas de nourriture. C'est pour dire à un moment donné, il faut tout laisser, il faut prier. Il y a souvent des choses où le Seigneur aimerait que tu gênes. Et la Bible dit, telle sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a des esprits, tant que tu ne gênes pas, il ne peut pas bouger. On va beau prier pour toi. Il y a les dimensions des esprits. Les esprits là, il y a des dimensions. Il y a des dimensions des esprits. Donc, il y a souvent des esprits de famille. Vous comprenez? Ou que vous avez l'impression que dans la famille, rien ne bouge. Hein? Même en Europe, tout est bizarre. Vous êtes en Europe, tout est bizarre. Et puis, vous avez le même niveau, sous forme de pauvreté. Chacun se débrouille de sa manière. Mais il faut que tu sois démarqué de ta famille. La Bible dit, il y a une différence entre celui qui me sert et celui qui ne sert pas. Il faut qu'il y ait une différence. Parce que tu sais Dieu. C'est cette différence-là qui va permettre à ta famille de comprendre que le lieu que tu fréquentes, là, il a besoin de fréquenter ce lieu-là. Bon, tu ne te maries pas. Tu es bizarre. Et puis, il n'a qu'à venir te suivre parce qu'il est bête. Quoi. Les gens, ils nous regardent. On va à l'église, ils nous regardent. Qu'est-ce que l'Église a apporté? Mais c'est vrai. À un moment donné, les apôtres ont dit, mais Seigneur, nous te suivons. Qu'est-ce que nous gagnons en te suivant? Ah non, le royaume des cieux. C'est pas ça que les gens veulent. Ils veulent voir une délivrance financière. Parce qu'il y a des gens qui sont issus de familles d'esclaves. Que vous voulez pas, c'est comme ça, je suis dans nos régions ici. J'ai toujours dit, les esprits des noirs et les blancs, c'est pas pareil. Parce qu'un noir, c'est toujours à adoration. Les blancs ont fini ça maintenant, ils ne sont plus à ce stade-là. Peut-être qu'ils font la magie, la rose-croix, la franc-maçonnerie. Mais ici en Afrique, tu as trouvé un endroit où on adore encore l'eau. C'est en Afrique ici. Tu as trouvé les endroits où on adore encore les rivières, les fleuves, tout ça. Donc ce sont sous forme de hôtels sataniques. C'est vrai, même si tu n'es pas dedans, mais quand tes aïeux ont adoré ça, que tu veux ou pas, tu es influencé. Mais il faut entrer dans une phase de prière pour que ce contact-là avec les esprits-là soit brisé. Vous comprenez? Elles sont bien saisies. Dans ce jeûne de 21 jours-là, règle tout ça. C'est ça qu'il te faut gêner. Amen. Amen. Nous démarrons le jeûne à partir de demain. Heureusement que toute l'église est là. Demain matin à 4h, il faut que tout le monde soit là. À 4h du matin, la prière de l'aurore. On va vous parler de beaucoup de choses. À 4h du matin, parce que tout à l'heure, je vais recevoir. Hein. Je vais recevoir par la grâce de Dieu. Je vais avoir l'occasion de prier. Mais la prière de demain, 4h, est vraiment primordiale. C'est important parce qu'on lançons un jeûne. Un jeûne très important pour chacun d'entre nous. Sur la terre ici, la chose que tu ne dois pas rater, c'est ta destinée. On ne joue pas ça. On ne joue pas ça. Nous ne sommes pas venus pour s'amuser. Tu es venu marquer ton temps. Ça dit, il faut que tu t'en sortes financièrement. Ce n'est pas un péché. Il faut que tu t'en sortes financièrement. Il faut que tes projets arrivent à se réaliser. Il faut que tu arrives à te marier. Il faut que certaines choses entrent en ligne de... Sinon, frère, tu auras fait un passage inutile sur la terre. Amen. C'est pour cela qu'il faut se battre. Bien sûr.
spirituellement parlant, il ne faut pas baisser les bras. Amen. Donc demain, nous démarrons un jeûne, et le jeûne de 21 jours à partir du 7 jusqu'au 27. Il y aura tous les jours des prières ici. C'est un jeûne que nous lançons pour qu'il y ait vraiment une restauration. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le mois d'août, c'est le mois de l'achèvement. Le mois de l'achèvement. Il faut connaître tout ça. C'est pour ça que le mois d'août, c'est un mois de vacances. Il faut connaître le mois et les chiffres. Le mois de l'achèvement. Après le mois de l'achèvement, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle le 9e jour et le 9e mois de l'année, qui est le chiffre de l'enfantement. Vous comprenez? Donc nous allons tout droit vers la fin d'année. Vous comprenez? En début d'année, on a prié. Il y a des promesses. Tu ne vois pas encore s'accomplir. Il faut prier. Parce que quand on va commencer à aborder septembre, octobre, novembre et décembre, c'est les mois-là, frère. Ce que tu auras déjà fait ici, pendant les 21 jours-là, tu verras l'accomplissement pendant ces mois. Amen. Souvent, tu as l'impression que les choses sont bizarres. Il y a des promesses qui n'arrivent pas à s'accomplir. Tu ne comprends pas. Il faut aller jeûner. Amen. Donc, nous allons jeûner. C'est tous les soirs. Bon, pour ceux qui sont, par exemple, en Europe ou peut-être aux États-Unis, nous parlons de heure universelle. L'heure universelle qu'on reconnaît, c'est l'heure de l'Afrique. Quand vous allez voir, mais partout, notre heure, là, c'est ça qui est plus important. Parce que c'est pas comment ils ont arrangé leur heure, mais quand on dit heure universelle, c'est l'heure que nous avons actuellement. Donc, quand on dit 18h de l'Afrique, amen. Amen. Voilà, c'est le coucher du soleil plutôt, parce que là-bas aussi, je vais parler de ceux qui sont en Europe, parce qu'ils ont 2 heures, l'heure de l'été, ils ont 2 heures de décalage. Hein? 2 heures de décalage, c'est différent de ceux qui sont aux États-Unis. Nous, les États-Unis, ça dépend des États. Voilà, quand vous partez comme ça au Texas, par exemple, c'est à 5 heures de différence entre nous. Et quand vous rentrez dans le Maryland, ça fait 4 heures. Ils ont des heures bizarres comme ça aux États-Unis. Il y a d'autres États, c'est 6 heures de temps, ça dépend. Donc, c'est le coucher du soleil. En un mot, c'est quand le soleil se couche. Et généralement, en Europe, en été, c'est à partir de 22 heures qu'on sent que le soleil se couche. Amen. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, il y a soleil quand 22 heures. À 22 heures que le soleil se couche. Voilà, donc généralement c'est vers 22 heures où vous devez couper vos jeûnes. Ce n'est pas à vie. On a dit c'est pour 3 semaines. Donc, il faut attraper le petit cœur là, puis faire ton jeûne. Tu peux faire la grillade, par exemple, de la grillade, les petits salades, et puis assez de fruits. Assez de fruits parce que ça donne beaucoup de tonus au corps. Les fruits me sont beaucoup conseillés. Assez de fruits pour manger plus de 4 fruits par jour. Amen. Amen. C'est pas saut de fruits. Hein. Les gens, je vais aller prendre marmite, ils vont mettre tous les fruits, les dents mangues, ils vont le ramasser, tous les mangues. Il y a les pasteurs qui sont les gênés. Ils sont les gênés, ils vont faire jeûne à fruits. Ils sont les gênés. Seigneur, à partir de 18 heures, on a tourné près de la maison, on a vu tous les pots de bananes derrière la fenêtre. C'est-à-dire, ils sont rentrés dans la maison 2 régimes de bananes. À 18h, c'est les pots de bananes qu'on a vu dehors. Donc, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on se jeûne à fruits. Donc, c'est-à-dire, à chaque 30 minutes, il y a la banane. Je vous ai dit, mais attends, c'est pas un jeûne que tu es en train de faire. Donc, non, maintenant, j'ai fermé la porte. Et puis, c'est moi qui donnais maintenant les fruits. Vous allez nous blaguer ici. Puis je les ai dit après le jeûne. Quand vous voulez jeûner, vous avez 2 régimes de bananes douces dans vos trucs. Et c'est comme ça qu'ils les ai dit après le jeûne. Amen. Donc ce jeûne-là, c'est un jeûne, éviter de manger. Vous pouvez manger poisson braisé, vous pouvez manger, mais éviter la viande rouge parce que ça. On digère ça difficilement. Voilà, digère ça difficilement. Pour avoir beaucoup de force parce que. Il faut démarrer. La chose n'est pas de démarrer, mais c'est fini. Parce que la fin d'une chose remet tout son commencement. Donc il faut manger assez de fruits. Hein, vous mangez assez de fruits. Les prières que vous allez orienter, c'est que Dieu vous fait entrer réellement dans votre destinée. Amen. Les prières, les choses qui ne sont pas encore été décantées, il faut que ça se décante. Parce qu'il y a des choses qui n'ont rien à voir avec vous, n'est-ce pas? Et qui viennent parce que c'est une malédiction de famille. C'est une malédiction de famille. Et ça vous touche. Bien que vous soyez chrétien, mais comme vous n'êtes pas traité avec le sujet,
mais vous subissez la même chose. Vous comprenez? Et quand vous lisez un peu Daniel, prenons Daniel le chapitre 9, à partir du verset 3 à 12. Amen. Amen. Daniel le verset, chapitre 9, le verset 3 à 12. Amen. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Verset 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion des faces. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem. Vous comprenez? Il revient, il dit aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, parce que j'avais une alliance d'obéissance avec Israël. Vous voyez? C'était ça, l'alliance qui existait entre Dieu et son peuple. Toutefois que le peuple d'Israël désobéissait à Dieu, n'est-ce pas? Dieu se séparait d'eux. Donc, pour revenir, n'est-ce pas, à cette alliance, pour rétablir cette alliance, regardez la prière, il dit ouvertement. Lui n'avait rien à voir avec ça. Il s'est retrouvé quelque part parce que le peuple a péché. Et c'est à cause de tout ça qu'il se retrouvait aujourd'hui en déportation dans un pays étranger. Donc, à Juda et à tout le peuple d'Israël, n'est-ce pas? À Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël. À tout Israël. Et à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin. Dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités. Il revient à dire, où tu les as chassés à cause de quoi? Des infidélités. Donc ils se sont rendus coupables envers toi. Très bien. Seigneur, à nous la confusion des faces. Il a commencé à prier pour ça d'abord. À nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Très bien. Verset 9. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers toi. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi. Très bien. Il est bien dit, tout Israël a transgressé ta loi. Et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors, se sont répandues sur nous les malédictions. À côté, il dit donc, se sont répandues sur nous la malédiction. Et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, c'est serviteur de Dieu. Quand tu désobéis, forcément, tu dois subir une malédiction. Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Très bien. Amen. Amen. Donc, regardez, avant toute chose, il dit, il s'est retiré, n'est-ce pas, pour gêner, parce que il faut commencer, et il a commencé à demander pardon pour les péchés de ses parents. Si aujourd'hui nous sommes ici, si aujourd'hui nous sommes éparpillés dans le monde entier, si aujourd'hui ça ne va pas, c'est parce que nous avons péché contre toi. Vous comprenez? Donc ce jeune-là, pendant les trois jours, c'est-à-dire lundi, mardi et mercredi, nous allons confesser les péchés de nos parents. Il y a des gens ici, les parents adorés sont dans les communs. Les parents adorés des rivières. On a tous une histoire comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas cette histoire-là. On est tous là ici. On a tous une histoire. Si tu ne connais pas, il faut te renseigner. Mais quelque part, les gens adorés. Dieu nous a fait la grâce. Personne ne connaissait Dieu ici. Personne ne connaissait le christianisme. Le christianisme est récent. Il n'y a pas longtemps qu'on nous a révélé la perfection de Jésus-Christ. Il n'y a pas longtemps que les missionnaires sont venus prêcher. Mais avant ça, nos parents avaient les points d'adoration. Amen. Et donc, Déanon a fait du christianisme, a fait des blancs. Je leur ai dit, mais pour nous, là, ça nous a apporté quoi? Nos parents sont allés adorer Ab. Depuis quand Ab nous a ouvert une porte? Ils adoraient Ab. Les gens sont venus les prendre pour les envoyer dans le bateau. Pour les envoyer. Ab l'a fait quoi? Ils adoraient rivière. Les blancs sont venus les attacher comme les singes
pour les envoyer de l'autre côté. Ça fait quoi? Un Dieu qui ne peut rien te faire, tu le changes. Tu es obligé de le suivre. Tu ne sais même pas pourquoi on dit de tuer mouton, tu tues mouton. On dit non, l'eau la même là, c'est là-bas même que tu es sorti. Depuis quand l'eau peut t'engendrer? Non, il ne faut pas manger celui de la rivière. Est-ce que vous connaissez celui? Séchez ça, vous allez voir. Vous séchez celui, vous faites sauce claire avec. La sauce claire, la mettez un peu de gombo frais. Vous allez comprendre que votre totem là, mais c'est contre vous. Non, moi je suis issu de celui. Toi, si on te dit enfant de celui, ça te plaît. Comment pour toi tu peux imaginer que c'est celui qui t'a mis au monde? Non, nous on est venu d'eau, on est joué, des trucs comme ça. Vous laissez Dieu, lui, c'est les esprits là que vous invoquez dans votre vie. Mais comment vous ne pouvez pas être maudit? Les gens se sont détournés. Et quand vous lisez dans Exode, la Bible dit que c'est lui qui se détourne de Dieu, n'est-ce pas, qui va adorer les idoles, par exemple, de l'eau, des arbres. Cette malédiction-là, Dieu frappe de la troisième jusqu'à la quatrième génération sur les enfants. C'est les enfants qui pèsent. Nous avons connu le christianisme, mais regardez comment l'âme que nous avons est brigandée. Les choses ne vont pas comme c'est devait. On adore bien Dieu Seigneur, mais regardez, est-ce que les choses vont très bien? Malgré notre croyance, malgré notre adoration avec le Seigneur, les choses demeurent encore très bizarres. Amen. Parce que quelque part, il y a ce lien-là. Il y a cette forme d'hôtel satanique encore dans nos familles qui a un impact négatif sur nos vies de chaque jour. La chose, c'est la prospérité. Frère, on adore un Dieu prospère. Et je comprends quand je parle avec les Juifs. Il dit la pauvreté, c'est l'absence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Parce que leur argent appartient à Dieu. Je le salue. C'est vrai, ton âme est sauvée. Mais est-ce que tu arrives à joindre les deux bouts? C'est pour ça que quand quelqu'un est pauvre, il risque même de rater le ciel. Pour le corrompre, c'est facile. C'est pour ça que la richesse fait partie, n'est-ce pas, d'une bénédiction que Dieu donne à ses enfants, ses élus. Or, si tu es issu d'une famille des esclaves, parce que je connais l'histoire en Afrique. En Afrique, c'est la conquête des terres. C'est-à-dire, un autre peuple vient, il découvre que l'autre peuple est bien, après on les chasse avec la guerre, et puis on prend donc ceux qui restent là, on les prend comme esclaves. Et il y a des familles comme ça dans les villages. Il y a des gens qui sont les propriétaires terriens. Il y a des gens qui disent, non, vous ne pouvez pas parler parce que vous là, vous êtes les guinéens, venez au village ici. Vous n'avez pas le droit à la parole. Vous ne connaissez pas. Il y a des histoires comme ça dans les villages. Il y a des propriétaires terriens. On vous dit, il y a 10 familles dans le village, mais l'autre famille là, ils n'ont pas le droit à parler ici. On ne vous dit pas pourquoi. Hein. Ben, c'est des secrets, mais vous savez que ce sont des esclaves. On allait régler un problème comme ça à Zaroko. Il y a une pierre où les gens égorgeaient les gens là-bas. N'est-ce pas? Et puis il y avait les esclaves comme ça, les gens. Nous, on a oublié de prier pour délivrer le village de tout ça. Vous comprenez? Donc, il y a des gens, vous êtes issus des familles, des esclaves. Et quand un esclave, vous savez très bien qu'il n'a pas droit à la richesse, à la parole, et ça vous suit. Partout, vous êtes toujours les derniers. Malgré votre diplôme, vous êtes toujours les derniers. Parce que vous êtes issus d'une famille des esclaves, spirituellement parlant, et ça vous suit. Donc, c'est tout ça que nous allons briser pendant ces 21 jours de jeûne. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Ça va? Amen. On est prêt pour jeûner. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Les gens disent amen, mais ils savent qu'ils n'ont pas jeûné. Parce que le colo et la galine, quand tu dis aller, on va laisser. Amen. Mais le jeûne, ça fait du bien. Non seulement c'est bon pour la santé. Hein? Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de trop manger, ça aide beaucoup. Amen. Amen. Voilà, ça aide beaucoup. Tout ça, même qu'on mange tard, ça, on accumule les choses bizarres dans notre corps. Nous-mêmes, on mange, on ne fait pas sport. On a fini de déjeuner, on ne fait pas sport. Ça accumule de sucre en nous qui donne les diabètes bizarres. Donc, à partir du jeûne, là, ça va t'aider. Parce que tu vas perdre beaucoup de choses. Et en même temps, c'est bénéfique sur le plan spirituel. Plus ton corps commence à s'affaiblir
et ça dispose ton esprit aux choses spirituelles. Il y a un moment donné, des moments de jeûne, à partir de 14 jours de jeûne, pour ceux qui font des jeûnes à sec, votre esprit, votre corps peut supporter la présence d'un ange. À partir du 7e jour de jeûne, sans manger déjà, Dieu commence déjà à vous ouvrir l'esprit sur le monde spirituel. Pour ceux qui aspirent aux dons spirituels, les jeûnes comme ça, c'est très important. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la Bible qui a été puissamment utilisé sans rentrer dans ces moments puissants de jeûne. Amen. Même les disciples de Jésus ont jeûné. À un moment donné, les gens se plaignaient pour dire les disciples, tu sais bien que les disciples de Jean-Baptiste jeûnent, les pharisiens jeûnent, mais toi, tes disciples ne jeûnent pas. Il dit, mais moi, je suis l'époux, je suis encore là. Pendant que l'époux est là, les amis de l'époux ne peuvent pas jeûner. C'est quand l'époux sera enlevé dans Matthieu, l'a dit la parole de Dieu, que les amis de l'époux vont jeûner. Donc, Jésus est parti. Et quand Jésus est parti, ils sont restés dans la chambre haute. Ils ont tout jeûné. C'est après avoir fini de prier, jeûner, que le Saint-Esprit s'est répandu sur eux. Et ils ont commencé, n'est-ce pas, à prêcher la parole de Dieu avec puissance le jour de la Pentecôte. Donc, c'est une culture chrétienne. Donc, à un moment donné, quand ça ne va plus, il faut te mettre dans la présence de Dieu, il faut jeûner. Donc, le jeûne, c'est s'abstenir de la nourriture. Amen. Amen. Pour un jeûne sec, il faut beaucoup boire. Il y a des gens, ils ne mangent pas. Hein. Il y a des gens, ils peuvent jeûner pendant une semaine sans manger. Moi, j'ai déjà fait ça. Ça dépend du problème que tu as. Ça dépend. Quand tu commences un ministère, tu aimerais voir le ministère. Donc, c'est le moment où tu rentres dans la maison et tu pries. Mais on dit jeûne et prière. Ça veut dire quoi? Ce moment-là, il faut beaucoup prier. Ça veut dire, pour ceux qui travaillent entre milliers d'eux, ça dépend. Quand tu as une petite pause, cette petite pause-là, ils vont en profiter pour prier. Amen. Et généralement, la nuit, quand vous avez le temps, la nuit, il faut commencer à beaucoup prier. Donc, demain matin, quand on va, n'est-ce pas, commencer la prière, ça veut dire que déjà à partir de minuit, le jeûne a commencé. Il est quelle heure? Dans les plats que vous avez réservés pour manger, vous voyez, les gens, on est comme des sorciers. C'est à minuit qu'ils commencent à manger. Amen. Voilà, donc, à partir de 0h, le jeûne de 21 jours démarre. Amen. Pour que nos vies changent. Toujours on prie pour toi. Tous les jours, c'est toi qu'on touche. On touche aux... toutes les mains de tous les hommes de Dieu est passé sur la tête. Ça n'a rien changé. Au moment, il faut jeûner. Amen. Amen. Donc, ce jeûne l'a conseillé à tout le monde d'ailleurs. Vous qui aimeriez voir votre destinée changer, ou qui aimeriez voir beaucoup de choses changer dans votre vie, vous priez pour que Dieu change votre destinée. Dieu, je veux qu'il change. Les choses doivent changer. Il y a des choses qu'il n'arrive pas à laisser. Il y a des choses qui sont liées à mon âme, à mon corps. Je n'arrive pas à comprendre. Délivre-moi de tout ça. Au fur et à mesure, vous allez voir que le Seigneur va vous délivrer parce que vous n'avez plus le temps d'abandonner la nourriture et de prier spécialement pour ça. On dit amen. Amen. Ça, c'est vraiment très important. À un moment, il faut abandonner la nourriture pour prier. Et c'est pendant 3 semaines. Et forcément, il y aura un résultat par la grâce de Dieu. Amen. 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 Y a des questions que les gens m'ont posées. Est-ce que cette période-là, monsieur et madame, peut se toucher? Ça dépend. J'en profite pour répondre. Parce que moi, on m'envoie des questions par inbox. Ça fait un bon moment que j'ai lancé le truc qu'on lance par une bosse. Bon, si les musulmans le font comme eux, là, il n'y a pas de problème. Si tu dis à un monsieur, parce que c'est un jeune qui est discontinu. Un jeune qui est discontinu, quand vous descendez le soir, par exemple, ce que vous avez envie de faire, tout ça. Mais si lui, il est musulman, si lui, il n'est pas croyant, ben, ok, Dieu te comprend, il n'y a pas de problème. Mais s'il est croyant, vous vous entendez, 3 semaines là, tu vas mourir. Ok. Si ça te fatigue, va bien avoir. Va libérer, te délivrer. Amen. Amen. Voilà, donc 3 semaines, tu peux tenir quand même. Si tu ne tiens pas, il faut venir verser une suite. Amen. Amen. Voilà, donc, c'est du sérieux qu'on est en train de faire. Il faut par moment faire du sérieux dans sa chrétienté. Voilà, parce que, frère, Dieu, il dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Voilà. Donc, il faut rentrer dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu. Pendant 3 semaines,
invoquer toute sa grâce. Seigneur, pendant les 3 semaines, j'aimerais être délivré de l'esprit du célibat, par exemple. Parce que dans ma famille, tout le monde ne se marie pas. Oh, tout le monde est bizarre, on revient tous dans la famille. Nos tantes là-même sont là. Leur ministère, c'est critiquer les petites filles. Parce que vous avez un moment donné, quand vous ne vous mariez pas, partez en famille, vous avez un ministère de critique. Quand vous le trouvez, vous critiquez les autres seulement. Il y a des gens même, ils n'ont même pas avoir 500 francs, c'est problème, c'est fat. L'argent maintenant, ça les fuit. Et ils vont, on lui donne 5000 francs, elle est contente, ça se perd. Elle descend du taxi, c'est perdu dans le taxi. C'est-à-dire tellement que l'argent a peur d'être chez toi. Or, si l'argent n'est pas chez toi, tu serais bizarre. J'ai toujours dit la pauvreté rend les gens bizarres. Quand vous êtes pauvre, vous devenez bizarre. Vous ne dormez pas bien la nuit. Quand vous partez dormir la nuit, vous avez des mauvaises pensées. Vous réfléchissez jusqu'à puis la sorcellerie vient dans ton corps. Elle te demande, mais pourquoi je suis comme ça? Quelqu'un qui est pauvre, il a l'insomnie. Parce qu'il se demande, il va manger quoi demain? Bon, je vais manger quoi demain? J'ai traversé le champ de Dibé pendant les murs là-bas. Il dit, mais comme chat, la nuit, il va accueillir régime. C'est pas un voleur. Il dit, non, voleur. Comprenez? Or, il faut traiter avec ça. Tu peux être délivré. Quand tu es délivré, tout vient. Il dit, je ordonnerai la bénédiction, je vais être avec toi. Toi, tu es comment? Et puis, c'est toi toujours qui es tout dans le malheur. Souvent, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a à faire à Dieu? Souvent, ça ne vient pas de toi, mais tu entends de payer une malédiction. Tu subis ça, c'est une malédiction. Mais il ne faut pas seulement. Il faut régler ce problème. C'est tout ça que nous allons régler par la grâce de Dieu. Et quand Daniel a commencé à prier, il a demandé pardon pour les péchés de ses parents. Pardon pour tout ça. Frère, ne jouez pas avec ça. Ce jeune-là, ne jouons pas avec ça. Amen. Amen. Parce que l'année 2018, c'est une année très importante pour chacun d'entre nous. Amen. Elle est vraiment très importante pour chacun d'entre nous. À partir du mois de décembre, je vais vous donner la portée du mois de l'année 2018. C'est qui ça? Ça représente. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Donc ne jouez pas à ce jeu. Donc voici un peu le jeu. Donc les questions, c'est que les païens, ils font comment? Bon, il est païen, Dieu te comprend. Okay. Parce qu'il y a déjà même les femmes chrétiennes, ils sont musulmans, mais ils vivent ensemble 30 ans, 40 ans, il n'y a pas de problème. Il y a des gens, eux-mêmes, les deux là sont des chrétiens même, tout ça, mais il n'y a toujours pas l'aventure. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il enseignait ce matin. J'ai dit, on se marie parce qu'on a rencontré l'amour de notre vie. Amen. Amen. Moi, il m'avait promis. Mais il t'a promis, s'il voit que ça ne va pas, il te laisse. Ou bien? C'est pas sur contrat. Le mariage, vous voyez là, c'est pas contrat. C'est contrat ou bien? Il faut toujours promettre. Maintenant, si tu vois que ce n'est pas ça, qu'est-ce que tu fais? C'est pas mauvais de se séparer. Parce que si tu ne te sépares pas, demain dans le foyer, vous allez vous séparer. Est-ce qu'on a bien saisi? Vous n'êtes pas même. Amen. Il y a un problème ou bien. Amen. Pour ne pas faire semblant, quand ça ne va plus, parce que quand tu as la faculté de réfléchir, nous on ne regarde pas loin. Quand tu vois, tu vas doucement, puis à un moment tu réfléchis, tu dis, j'ai l'impression qu'on ne peut pas s'entendre. Séparez-vous. C'est pas un péché. Parce que si vous êtes arrivé à un moment de mariage, il y a des choses, ça sera difficile. Hein. Ça va, c'est comme corps au cou. Donc, le mariage, ce n'est pas forcément un contrat. C'est vrai pour dire non. La fiançaille pour dire non, il m'avait promis, il faut me marier forcé. Tu n'es pas du camp. S'il ne veut pas, il te sépare de toi. C'est forcé ou bien? Vous n'avez pas eu quelqu'un qui dit, il faut me marier forcé. Bon, allons-y. Alors la mairie. C'est toi-même qui as bourri de faillite, tu as fui. Ce que tu as cherché là, il va te donner ça dans foyer là. Amen. Amen. On se marie parce que on dit, mais attends, c'est l'amour. Donc on se marie parce qu'on a rencontré. C'est pas mauvais d'essayer. C'est pas mauvais d'essayer. Il faut toujours risquer. Il faut essayer. Mais si tu vois que ça ne va pas, il faut tourner cette page. Et puis demander au Seigneur de mettre beaucoup de choses en ordre. Amen. Amen. Voilà, mais il y a des gens, eux, ils ont le master en célibat. Ils ont un master dedans. Chaque jour, son fiancé
et ça ne marche jamais. Ils sont là, on réfléchit seulement. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Généralement, c'est près d'un miroir, les gens vont pleurer. Le pauvre miroir qui n'a rien à voir avec ton problème. Celui qui encaisse tes pleurs. Seigneur, voici mes rites. Je vieillis, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être une malédiction. Il peut aussi avoir la sorcellerie dedans. La sorcellerie même surtout. Vous avez compris ici comment, dans les aveux où je détruis son mariage, la sorcellerie. Pendant que toi tu dors, il y a une personne qui vient coucher toi en sorcellerie. Elle couche toi en sorcellerie. Elle fait de toi sa femme. Quand vous dormez la nuit, moi, je ne fais pas ce genre de rêve. Il y a des gens qui dorment, ils ont l'impression qu'ils sont mouillés, ils éjaculent sur eux. Puis, ils ont l'impression qu'ils ont fait l'amour en rêve. Mais c'est une possession. C'est un esprit. Ça veut dire que ce qui s'est passé là, ça s'est passé en esprit. Donc il faut chercher ta délivrance parce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, là, en ce monde spirituel, qui a des rapports avec toi. Si vous remarquez ça, faites-vous délivrer. Tu te lèves, ton caleçon est mouillé, tu as l'impression que tu as éjaculé sur toi. Ça veut dire qu'il y a un esprit. Il faut se faire délivrer. Et quand cet esprit dans ta vie, c'est-à-dire, c'est une maladie subtile, hein, tu ne sens pas ça. Mais quand tu rencontres quelqu'un, ça se gâte. Parce que l'esprit, lui, il est bien dans ta vie. C'est ça, nous, on ne dit pas mari de nuit, on dit mari-esprit. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, il est déjà dans ta vie. Ou même femme-esprit. Amen. Amen. Tu dors sûrement, tu vois les femmes clair dans le rêve. Clair. Tu ne vois pas noir, hein? Clair. En train de donner bisous, ça c'est la joue droite là. Tu fais sûrement l'amour en rêve. Ça veut dire que tu es marié, mais spirituellement parlant. Et si tu es marié, parce que c'est le spirituel qui fait le monde visible. Si tu es marié spirituellement, c'est fini. Physiquement, tu ne peux pas. Donc, il faut une séparation, ce divorce-là sur le plan spirituel. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait ce divorce-là sur le plan spirituel. C'est possible. Le seul problème que tu as, c'est que tu n'es pas encore délivré. Délivrance, ça veut dire quoi? C'est que tu es lié à quelque chose. Ou bien tu es emprisonné quelque part par les démons, par la sorcellerie. Tu es dans une influence d'une malédiction. Bien que tu sois croyant, bien que tu connaisses la Bible, tu récites tous les versets bibliques. Mais tu pleures parce que la nuit, personne ne vient te dire « je t'aime ». Et ton problème, peut-être que c'est AVC qui arrive maintenant. Parce que quand quelqu'un, un homme te dit « t'aimes », puis te dit « je t'aime », ça te délivre de l'AVC matin. Quand tu marches, tu vois clair. Amen. Amen. Je t'aime, là, c'est tellement bon. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Ton seul problème, c'est un problème de délivrance. Ça veut dire que quelque part, j'ai un esprit qui est en train de brigander ta vie. Il y a un esprit qui t'empêche de rentrer dans tes grâces. Mais qu'est-ce que tu fais? Le seul problème n'est pas que je suis possédé. Mais non, moi-même, je ne vais pas coutoukou trop. Bon, coutoukou là, celui qui t'attache, qui t'appelle là-bas ou bien. C'est toi qui marches au parti. Non, quand je passe, je vois, comment on appelle ça, jaune quoi, jaune amer, 4 heures du matin, quoi encore, tu connais tous les couleurs de Bel Air du quartier. Jaune amer. Je prends ça parce que ça a soigné mon palu. C'est qu'un palu qui te met à terre, tu bois, puis tu es saoulé, tu parles mal aux gens. Donc si tu sais marcher pour aller au Belendron, il faut se marcher pour aller à l'église. Parce que la délivrance, ça se désire. Si tu sais que non, ton problème, c'est Belay, va exprimer ça devant le Seigneur. Pour dire, Seigneur, je ne veux plus. Parce que si tu n'aimes pas la chose, Dieu va te délivrer. Mais si tu aimes la chose, Dieu ne te délivrera pas. Je connais quelqu'un. Il dit, lui, laissez fesses de l'homme. Il ne laisse pas fesses. Lui, il est homosexuel.
Lui, il aime ça. Je pense à le fuir avant. Toi, tu as une fesse de garçon. Lui, il aime. Non, lui, je ne peux pas laisser à faire des fesses de garçon. Je dis, mais pour les femmes et puis pour les hommes, qu'est-ce qui est joli? Pour l'homme, c'est dur. Excusez-moi, les mamans. Comment tu peux aimer les fesses d'un garçon? Ça veut dire t'as possédé. Ton ami garçon passe et c'est ses fesses qui l'intéressent. Qui lui aime ça? Il a un démon. Mais quelqu'un qui aime les fesses d'un garçon, comment doit le délivrer? Amen. Amen. Donc lui-même n'est pas prêt à être délivré. Alléluia. Amen. Si tu te sens, tu te dis, mais je veux quitter cette situation, tu verras la main de Dieu intervenir dans ta vie. Amen. Nous sommes tous là parce qu'on souffre d'un problème. C'est ça qui nous a envoyé ici. Dis-vous, ce n'est pas chez nous. Dans les conditions dans lesquelles vous vivez, c'est difficile. Ou d'autres dorment bien ailleurs. Mais vous êtes là parce que vous cherchez une solution à votre problème. Mais Dieu sera obligé de vous délivrer. Mais tu es assis, puis tu ne fais pas d'effort, tu ne verras jamais le Seigneur te délivrer. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? De beaucoup de choses. Amen. Amen. Que le Seigneur nous délivre de beaucoup de choses. C'est ce qu'ils ont essayé de faire par la grâce de Dieu. Amen. 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 Voilà, que Dieu bénisse. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion, par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, de vous recevoir encore. Et puis encore à 4h du matin, nous allons reprendre la prière de l'aurore. J'ai beaucoup d'enseignements à vous donner. Amen. Amen. Nous allons essayer de parler un peu, entrer dans le domaine, la phase de délivrance, si possible. Et puis après ça, je vais commencer à recevoir certaines personnes. Amen. Amen. On va parler un peu de la sorcellerie. Qui ne croit pas à la sorcellerie? Qui croit à ça? Et celui qui ne croit pas, je vais faire un petit test. Je vais mettre mon bureau là. Il faut aller essayer le monsieur. Comme on met les gens dans ma vie. Amen. Amen. Très bien. Nous tous nous croyons à la sorcellerie. Celui qui ne croit pas, c'est son problème. Mais on ne peut pas nommer quelque chose qui n'existe pas. C'est parce que ça existe que c'est un nom. Okay. Maintenant, il ne faut pas se limiter seulement que ça existe. La sorcellerie, vous voyez là, ça fait assez de dégâts. Ça n'a jamais fait du bien aux gens. J'ai dit, mais pourquoi vous avez un pouvoir et puis c'est vos familles, vous prenez pour détruire? Pourquoi? Non, j'ai gâté l'argent de mon papa. Vous n'en voyez jamais. Vous gâtez. Donne-nous l'argent au moins. Non, j'ai pris l'argent, j'ai allé, je suis allé mettre dans le canari. Bon, là, si l'argent est fait pour mettre dans le canari. Bon, tu as gâté son argent. Le monsieur lui-même ou ton papa, ta maman, là, elle te donne à manger. Puis c'est son argent que tu gâtes. Mais c'est bête. Bon, en réalité, eux-mêmes là, ils sont sous le contrôle d'un esprit. Donc, ils ne peuvent pas eux-mêmes se contrôler. C'est-à-dire, ils sont sous une manipulation satanique. Donc, pour qu'il soit délivré, il faut qu'il parle. Amen. Amen. C'est pour ça que les aveux, c'est vraiment important pour un sorcier. Au village, un sorcier en train de mourir, il fait des aveux. Ah, le prophète, pourquoi il expose des gens? Je n'expose pas les gens. Je démystifie la sorcellerie. Je n'ai pas exposé les gens. Jésus même a dit aux gens, à un démon, quel est ton nom? Il dit, je suis les gens. Il dit, sors. On doit par moi parler avec eux. Hein? Et puis demander aux esprits qui nous disent ce qu'ils ont fait. Les gens veulent savoir des choses. C'est dans la famille. On doit vous connaître la vérité. Elle vous affranchira. Elle vous rendra libre. Il y a des choses que les gens veulent savoir. Vous comprenez? Après avoir fait tout ça, maintenant on peut maintenant délivrer la personne, n'est-ce pas, sorcière. C'est pour ça que par moment, nous passons par l'étape des aveux. Et c'est vraiment très important. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Amen. Tu peux être là, puis le sorcier t'a déjà mangé. Les gens disent, pourquoi c'est possible? Mais oui, c'est possible. Parce que l'homme est composé de l'âme, l'esprit, le corps. L'esprit, on ne touche pas. Mais l'âme, c'est ça que les appelle mangeur d'âme. Ton âme peut être mangée. L'être animal, il est composé d'une âme, puis d'un corps. Mais l'esprit, on ne touche pas l'esprit. Non. Non, c'est ton âme, là, cette partie-là. On dit que l'âme se trouve dans le sang, dans selon les Lévitiques, qui transforme et puis te bouffe. Si tu as déjà tué, ça dit spirituellement parlant,
tu peux rester longtemps sur la terre. Et ça dit 9 mois, tu ne peux pas faire plus une année. Ça a trop duré ces 9 mois. Maintenant, eux, ils font des mises en scène, des voitures qui te percutent, qui font des trucs. Et puis, bon, on dit non, mais écoutez, c'est la voiture qui l'a tué. Quelqu'un sait avoir la sorcellerie. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle les morts mystiques. Alléluia. Amen. Moi, je sais de quoi je parle. Parce que j'ai vécu ça dans ma vie. Amen. Amen. Voilà, donc ceux qui veulent être délivrés de la sorcellerie. Aujourd'hui même, la fête des sorcelleries, on pensait que c'était le pépé. Quand on voit un vieux, on fuit. Mais le sorcier, le vieux, un canif, tu fuis. Le sorcier, t'es caché. Oh, les bébés sont dedans. Bébé, même plus, tu manges un sorcier encore. Il aime manger. T'es braisé, fais barbecue. Et t'es braisé. Un enfant de 5 ans, il allait frapper son papa la nuit. Il allait son papa la frapper dans la journée. Il n'a rien dit. Lui, c'est la nuit la force. Son papa a dormi, il allait faire renfort. Et tout ça gonflé. Et puis il a boxé le corps de son papa. Le papa se lève matin, la nuit, il s'est vomi le sang. Il va, il fait des analyses, il a la tuberculose. C'est venu comme ça. Hein? Il allait faire le traitement, ça n'a pas marché. C'est 6 mois de traitement. Il refait encore le traitement. C'est comme ça que je suis arrivé à Gagnoua. La vidéo même en ligne. Et puis il dit, petit, on l'a attrapé. Il dit, non, mon papa là même là. Il m'a frappé. Pour moi la nuit, il est bossé, il est frappé. Quand le petit a fini de parler, on a versé l'huile, on a fait action prophétique et le papa a été délivré. Amen. Coup de poing spirituel. Quand tu as fait pour toi des petits chicotes bizarres, le petit, la nuit, il t'a donné coup de poing, tu vomis le sang matin. Donc, c'est dangereux. Si un enfant n'est pas délivré, mais il devient un danger pour la maison. C'est pour ça qu'il faut maîtriser l'atmosphère de la maison. Il faut savoir qui tu vis. Tu n'apprends pas à contrôler ton environnement va te contrôler. Amen. Amen. Quand vous dormez, il y a les enfants, quand ils dorment, tu as l'impression qu'ils marchent. Lève dents. Tu fais quoi là? Lève-toi. Il y a quoi tu manges? Tu vois, il n'y a rien dans sa bouche. Maintenant, pourquoi tu dors dans ton sommeil, tu fais crou, crou, il y a quoi dans ta bouche? Il attend de manger gigot. Grosse cuisse comme ça, il entend, mon petit, il entend de manger ça. Ou même quand vous dormez, regardez un peu les enfants. Vous savez, ils ont une manière pour s'envoler. Les sorciers, ils croisent comme ça les pieds. Ça leur permet de sortir rapidement de leur corps et puis avoir un autre corps astral. Regardez la position des pieds. Priez pour les enfants. C'est très important. Il ne faut pas négliger ça. Si tu as négligé, papa va te manger. Il va te manger. Qu'est-ce que tu as fait? Eux commencent d'abord dans la maison. Ah, c'est la maison, il y a viande ici. Viens pourquoi dire? C'est viande de la maison, il est mangé d'abord avant d'aller manger viande du voisin. Donc c'est pour ça qu'il faut maîtriser. Tu es avec une femme, il faut savoir si elle est délivrée. Si elle n'est pas délivrée, tu sais dans une seule graine. Puis fous-toi à côté, elle va te manger. Amen. Amen. J'ai vécu ça aux États-Unis. Un monsieur, il a vécu pendant des années sa femme sans la connaître, jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle est sorcière. Il est étonné. Comprenez? Maintenant, ça revenait dans sa tête. Dès le départ, ce qu'il était en train de faire, le monsieur a commencé à voir ça dans mes vidéos. Puis quand sa femme a avoué, il n'est pas là. Elle a tapé le monsieur, il est tombé. Après, elle a dit, je vais te tuer. Moi, tu ne vas jamais avoir enfant. C'est comme ça que le monsieur m'a rencontré pour sa délivrance. Il faut voir le langage des gens qui sont avec toi, leur manière de se comporter avec toi. Un enfant, il est très violent, il est petit, il aime les films d'horreur. Il faut commencer à faire attention. Il dessine, les trucs, il y a le sang, c'est ce qui l'intéresse, où il y a le sang. Petit, viens se voir. C'est quel dessin tu fais là? Donc il y a des petits signes comme ça.
les films d'horreur. Il y a des gens qui sont trop qui aiment les films d'horreur. Les films, ils font ils aiment voir le sang. Moi-même, là-même, j'ai peur de ça. Quand il y a accident, j'ai dit aux gens, allez, ça fait peur. L'être humain, il est trop sacré. Son sang fait peur. Mais les gens, ils savent. Il y a des petits signes comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu ne maîtrises pas quelqu'un, il ne faut pas venir dormir chez toi. Ma soeur, ma copine, est-ce qu'il peut aller faire une nuit chez toi? Mais pourquoi tu es venu faire une nuit chez moi? Non, oh, je t'aime bien là. On va. Même à l'église, les sorciers même sont maintenant dans l'église. Je suis allé délivrer une sorcière à l'église à Guéyo. Cette sorcière est dans une église. Mais quand elle sent que tu as une fiançaille, elle vient. Puis elle se dit, bon, on prie ensemble une semaine. Ça, c'est quatre. Elle a fait ça comme ça. Jusqu'à ce que j'arrive. Pour qu'elle soit démasquée. Et quand je suis arrivé dans l'église, j'étais en plein séminaire quand Dieu la foudrait. En plein séminaire, quand elle s'est levée de son corps pour m'attaquer, puis son œil s'est explosé en pleine église. À Guéyou. En Côte d'Ivoire, là, où il y a dragon, Bagbamelin, c'est Guéyou. Seulement les gens achètent le dragon, et puis ils vont prendre l'esprit du dragon, là, c'est ce qui envoie la maladie, la paralysie dans les familles. Parce qu'il y a la sorcellerie. Et puis il y a le pouvoir qu'il cherche pour combler cette sorcellerie-là. Donc il faut savoir avec qui tu marches. Si je suis en contact avec toi, tu dois me faire prospérer. Si je te rends compte que je donne mon argent, et puis il y a des problèmes, je ne te donne plus l'argent. Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas forcé. C'est ce qu'il dit aux gens que je suis à l'étranger. Vous venez, vous pensez que vos parents qui sont en Europe, ou aux États-Unis, ils sont dans l'obligation de vous donner toujours, toujours, toujours de l'argent. Mais ils vivent aussi de telle réalité. Quand le dollar monte, vous connaissez qu'il s'est monté. Lui-même, il est aux États-Unis, il ne sait pas si le dollar est monté. Il faut envoyer aujourd'hui, le dollar est monté. Hein. Voilà, de là, c'est ça, c'est ça. Hein. Amen. Amen. Frère, ne jouez pas votre vie. Parce qu'il y a une façon de se rendre pour vous perdre la vie. La sorcellerie, là, faut vouloir ou pas, ça existe. Et les sorciers travaillent. Aujourd'hui, ils ont tellement de systèmes qu'ils mettent en place pour détruire. Dans chaque famille, il y a la sorcellerie. Ah, non, c'est une manière. Quand vous parlez de ça, vous allez diviser. Écoutez, on divise quoi? Quel coup, qui en divise? Voleur, il est voleur ou bien? C'est ça. Il est sorcier, on dit que non. Non, on divise. Mais il est sorcier. Où est divisé? Nous-mêmes, c'est intéressant sur nous-mêmes, il parle. Bon, il ne faut pas en parler. On n'a qu'à le laisser et puis la tuer. C'est ce que vous voulez. Aïe, vous aussi. Le monsieur dit la tuer. Vous voulez que non. Pourquoi quand il parle là, ça divise. Mais pourquoi il parle? Et pour le laisser. Vous ne voulez pas que les gens parlent. Mon tonton, là, qui est là, c'est moi qui l'ai paralysé. Il ne faut pas la dire ça. Le tonton vient de savoir d'où vient sa paralysie. Elle a fait trois mariages, ça n'a pas marché. Elle doit savoir d'où vient le problème. Parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose derrière ça. Vous comprenez? Donc, là, psychologiquement, la personne vit déjà une délivrance. Vous voulez pas que les gens parlent? Ils ont fait des choses, ils n'ont pas parlé. Bon, si vous ne voulez pas aider les gens, taisez-vous. Nous, on va les aider. Ce que nous sommes en train de faire, on ne divise pas en train d'aider les gens. Si tu ne comprends pas, il faut chercher à comprendre. Il ne faut pas critiquer négativement. Parce que si tu n'as pas besoin de connaître toutes choses, on apprend toujours dans la vie, on découvre les choses. Il ne faut pas dire, ah non, ça là, c'est pas bon. C'est pas bon, puis les gens sont délivrés. Parce qu'une ancienne sorcière là-bas, elle est délivrée. C'est pas délivré. Lève-toi. Tu es délivré ou pas? Tu gardais l'argent de ta famille, c'est pas ça? Ah. La voici, elle est délivrée. Si elle n'avait pas parlé, elle a parlé, elle est délivrée. Bon, on a qu'à la... Vous aussi. Ici, c'est la brigade anti-sorcier. Nous mettons tous les sorciers aux arrêts. Voilà, lui, on voit petit dents bizarres là. On enlève ça. Où est le sorcier? T'es un sorcier, maman, bébé, t'es un sorcier. T'es un sorcier. T'es un sorcier. Hein? Ce qui grand fait maintenant, les enfants font ça. T'es un sorcier. Hein? T'es un sorcier. Tu manges l'homme. Tu manges l'homme. Tu manges. C'est doux. C'est doux. C'est quelque chose qui est doux à ne pas laisser.
Tu tues l'homme? Tu tues? T'as tué combien? Hein? Beaucoup? Comment tu fais pour tuer? Hein? Parle fort. En quoi? Tu te transformes en chien. Et puis tu vas faire quoi? Hein? Et si tu te transformes en chien, et puis va tuer sa victime. Celle-là, elle t'a rencontré la nuit. Tu as un témoignage. Le chien dans un couloir la nuit. Et puis elle tombe sur toi. Quand on fait des rêves, qu'un chien te mord la nuit, il fallait te faire délivrer. C'est l'incarnation de la sorcellerie. Le chien ou bœuf dans le rêve. Si un chien t'a mordu, il faut te faire délivrer. Tôt ou tard. C'est-à-dire qu'il y aura une mort subite, un arrêt cardiaque. Ou bien bœuf t'a coigné, tu auras un accident. Quand tu manges l'homme là, tu manges quelle partie? Tu manges au c'est où? Tu manges quoi? Dis-toi là. Elle est mal écrite. Hein? La petite est dangereuse. Elle ne cherche pas où elle vient pour fatiguer ses dents. Ses tripes là, elle fait. Hein? Elle est venue avec qui? Hein? Qui t'a donné? Elle est où? Hein? Là-bas. Là-bas. Combien t'as donné? Hein? Elle a tué ton papa. Et puis tu as mangé ton papa. Elle a une mémoire, vous voyez. Elle sait d'où vient le problème. Et ta grand-sœur, ta grand-mère là-bas. Mais pourquoi tu ne tues pas grand-mère? Pourquoi? Tu as tué qui? Tu as. C'est ta maman. Tu as fait quoi ta maman? Toi tu n'as rien fait. C'est ta grande soeur qui a fait. Où est ta grande soeur? Où elle est? Hein? Où elle est? Où elle est? Monte là. Vous mangez ensemble. Hein? Hein? Vous mangez ensemble. Vous mangez ensemble. Vous mangez quoi ensemble? Quelqu'un. Eric, tu manges à la petite là. Hein? Vous mangez ensemble. Vous mangez quoi? L'homme. Ah, toi aussi. C'est un truc comme ça, tu apprends la petite. Un enfant comme ça, on n'apprend pas à manger l'homme. Pourquoi tu apprends, Mayel? Elle te sait où? Quand tu manges l'homme, là, tu manges où? Quelqu'un, là, tu manges où? Là-bas. Hein? Là-bas. Monte, 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 touche. Oui, là-bas, là, tu manges quelle partie? Morceau, là, c'est où? Ah, elle dit, c'est triple, là. Elle est, je sais pas loin. C'est ce qui est dedans, là. Elle mange. Elle n'aime pas les trucs, on dit viande à os, c'est ça non? Viande aux oies, là, qu'on appelle la bouchée, elle dit quoi? Sans os. Sans os. Elle ne sait pas où il y a, elle cherche les tripes. Elle met dans son petit. Si je cherche à os, là, ça me fatigue. C'est une question de manger vite, vite la nuit, puis se réveiller. Et puis qui te sert? Qui te donne manger? Mais elle, celle-là, elle fait quoi? Elle te sert. Beaucoup, puis c'est petit. Beaucoup. Tu as donné pour toi aussi, non? Hein? Quand on te donne à manger là, tu donnes pour toi aussi. Hein, parle fort, hein? Si elle te donne, tu manges. Et puis dis bon, c'est que tu as mangé. Comment t'appelles? Grasso. Ouais, Grasso.
ce que tu as mangé là, il faut donner pour toi. Et puis tu donnes. Tu donnes, non? Tu vas tuer pour donner. Hein? Si tu as celle-là dans la maison, quel argent tu vas gagner? Comment tu fais pour sorcellerie là? Tu t'envoles, tu sors de ton corps, tu fais comment? Comment tu t'envoles? Hein? Viens ici, envoie. Comment tu fais? Tu pars où? C'est dangereux, hein? Un enfant petit. Tu penses, ah maman, elle t'est chifflée. Tu n'as pas réussi ta langue. Tu comprends pas. Pourquoi tu n'as pas narré? Oh la petite, tu t'as fléché. Qui est sorcière ici? Hmm? Tu as parlé maintenant. Après, les pasteurs ont fait vous délivrer les enfants. Toi, tu es sorcier. Tu manges quoi? Quel morceau tu manges? Quel chair ou parti où est des chairs? Ah, ça c'est bras, tu manges. Tu as tué combien? Oui, c'est elle qui t'a donné sorcellerie. Maintenant, tu as tué ou tu n'as pas tué? Tu n'as pas encore tué, mais tu manges l'homme. Tu gâtes aussi. Ok. Et toi? Tu es sorcier? Tu manges? Hein? Tu manges quoi? Tu manges l'homme. Qui t'a donné? Hein? C'est toi qui a donné. Bon, ta grand-mère t'a donné. Hein? Et puis... Non, non. Ta grand-mère t'a donné, non. Et puis toi, t'as donné. Hein? Qui t'a donné? C'est elle. Comment t'as donné? Hein? En rêve. Comment? La nuit. Elle a fait comment? Hein? Mm-hmm. Elle est montée depuis. Elle est montée depuis. Mm-hmm. Elle s'envolait. Elle vous s'envolait, vous? Et puis elle fait quoi? Elle vous envoie là-bas. Où? Dans les camps de sorcellerie. Dans les camps de sorcellerie. Il y a quoi là-bas dans le camp? Ils sont beaucoup. Venez, venez, joli, joli. Ils sont venus. Et puis ils font quoi là-bas? Non, non, tu découvres des livres, ouais. Et tu les gens. Tu regardes ça. Hein? Et puis ils disent quoi? Quand ils s'envolent et puis tu arrives là-bas, là, et puis ils disent quoi là-bas? Mmh. Pas bien. Mmh. Et puis vous les regardez. Et puis on vous donne pas à manger. Quoi? Viens de l'homme. Et c'est doux. Puis tu manges. Tu as mangé, non? C'est doux. Hein? C'est doux. Où est le sexe en volet, vous? Hein? C'est toi qui envoie les enfants. Hein? Hein? Oui. C'est dangereux, hein? Comment tu fais pour t'envoler, enfant? Mais pourquoi les enfants, ils ont quoi à voir ça? Les enfants qui sont innocents, là, pourquoi tu viens les prendre pour t'envoler avec eux? Qui t'envole avec toi? Les deux. Les deux, là. Hein, c'est ça qui te met au dos. C'est toi qui la mets au dos. Hein? Comment tu peux la mettre au dos? Hein? Eh, s'il vous plaît. Hein? Tu te transformes en oiseau. Et puis, elle, tu la fais comment? Tu la mets au dos.
Vous partez où? La nuit là. Vous partez où? Vous n'avez au camp. C'est vers où camp? Camp de quoi? Soit des sorciers. Mais tu es enfant, tu fais quoi les sorciers? Hein? Tu te parles très bien, maintenant elle a réuni ton professeur, elle t'a bien formé dans la sorcellerie. C'est ça? Donc maintenant tu manges beaucoup. Pourquoi tu me mentais tout à l'heure que tu ne tues pas? Si toi déjà tu entraînes des gens déjà dedans, c'est que toi tu tues. Tu veux laisser toi? Tu as mangé beaucoup. Ils t'ont dit quoi d'envoyer pour toi? Hein? Mais ils ont demandé quoi? Ils t'ont demandé d'envoyer pour toi aussi. Ils n'ont pas demandé. Toi, tu manges pour eux seulement. Hein? Tu as déjà tué? Tu n'as pas encore tué? Toi, tu t'envoles avec elle. Où est le petit frère? Non, laissez-le dormir, laissez. Non, laissez l'enfant après. Mais lui, il mange beaucoup là-bas. Les petits, là, ils mangent beaucoup là-bas, non? C'est eux qui lui donnent. Vous mangez, viande de l'homme. Ah, il n'y a plus des enfants, hein? Tous les bébés sont dans la chose. Viens, viens. Viens ici. Vous avez déjà les bébés sorciers dans la maison. Comment vous allez dormir? Ça s'envole la nuit. Toi-même, on a juste dépassé même de ta société. Pourquoi tu mets les enfants dedans? Sorcellerie, là, c'est bon ou c'est pas bon? C'est pas bon. Et puis c'est pas bon que tu mets les enfants dedans. Ça te aide, non? Mais pourquoi tu mets les enfants dedans? Tu as fait quoi aux enfants? Hein? Les initiés. Les initiés comment? La chaîne. Comment tu as fait? Je les ai Et puis après, c'est pour faire quoi? Pour tuer les gens. Ah, toi, tu apprends à tuer les gens aux enfants. Tu es dans la sorcellerie, puis donc aller tuer les gens. Pourquoi? Ils l'ont marché pour toi comment? C'est toi qui les as invités. Hey, j'étais là, c'est pas eux, c'est toi qui les as invités à manger. Quoi tu peux dire qu'ils ont mangé pour toi? Ils ont mangé pour toi comment? Vous voyez comment la sorcellerie, ils ont cette facilité d'initier les gens. La petite là, c'est ce qu'elle a vu qu'elle a parlé. Hein? Claire. Donc, tu t'envoies la nuit. Hein? Hein? Ah! Papa est quoi? Papa est fauteuil. Maman est table. Où est papa? Hein? Il est fauteuil comme. Vous asseyez sur lui. Ah, c'est la graine. Il s'assoit sur son papa. Et puis elle mange ta maman. Où est ta maman? Hein?
la sorcellerie. Et vous voyez tout ça? Hein? Tu vois ça? Tu vois ton papa ici comme ça? Hein? On assiste sur lui. Ton papa, il dit rien. Elle assiste ton papa. Hein? Maintenant ta maman est comment? Comment tape? Comment? Tape comme main dessus. Là, elle est là. Pour manger. Puis tu dis rien. Pourquoi tu ne demandes pas pardon? Laissez mon papa, laissez ma maman. Pourquoi tu dis pas ça? Hein? Je dis, tu vois que ton papa est fouté, non? Hein? Ta maman est tape. Pourquoi toi tu ne demandes pas pardon? Laissez mon papa, laissez ma maman. Pourquoi tu dis pas ça? Hein? Tu n'es pas gentil, quoi. Toi, tu n'es pas gentil. Papa, tu est-ce que tu aimes papa? Tu aimes ta maman? Depuis on prend ta maman pour faire table, toi ça te dit rien. Tu sais, les petits mecs sont dans la maison, les enfants, ils connaissent tous vos secrets. Tu es là, non? Mais si maman, oh tu es table. Table à manger. Comment un enfant va te respecter? L'enfant même voit que c'est table à manger. Hein, viens ici, maman, table à manger. Elle va te respecter. Toi, tu sais ça? Hein? Oui. Et tu n'as jamais dit ça? Pourquoi? Parle fort. Elle n'a pas autorisé de dire. Ah, on doit t'autoriser de dire. Ça veut dire quoi? Si ma grand-mère me donne des gens, si elle me dit, elle m'a pas autorisé de dire. C'est grave, hein? Venez ici. C'est toi qui es table là-bas. Elles ont mis les marmites chaudes. Les sorciers, les ils sont bizarres. Marmites chaudes, même c'est si tard, ils te posent. Brûler exprès d'eau là-même. Et comment on fait là-bas avec elles? On met les assiettes chez elles pour. Ah, mais vous êtes si. Non, là-bas, il n'y a pas, on ne fabrique pas de table. C'est sauvage. Hein? Mmh. Ils font comment? Non, elle a blessé. C'est deux feuilles. Montre. Elle est comme ça. Et puis, c'est ici, on mange. J'ai envie de t'appuyer. C'est ici, vous mangez. Mais comment vous arrivez à la renverser? Comment? Pourquoi m'expliquer ça? Je veux comprendre. Elle est où? Puis c'est elle, vous prenez. C'est pourquoi? C'est à quelle fin? Vous cherchez quoi? En la transformant en table. C'est pourquoi? Je veux comprendre. Pourquoi vous la transformez en table? C'est pourquoi? Je suis en train de demander, il faut me répondre. Je n'ai pas assez de temps, j'ai besoin d'une réponse. Pourquoi vous la transformez en table? Hein? Un plaisir. Un plaisir. Quand tu vois ta maman sur table, tu ne dis rien. Tu dis rien. Hein? Toi, tu dis rien. Hein? Tu n'as pas pitié. Pourquoi tu ne parles pas? Tu ne parles pas. Pourquoi? On va vous délivrer. Au Togo, quand les enfants sont sortis, on les... Moi, il y a les images. Quand on vous attrape en sorcellerie, on vous brûle vos mains. Ici, on les délivre. Ouais, parce qu'on comprend que les gens sont sous une manipulation satanique. Vous allez brûler le corps, ça va faire quoi? C'est les esprits. C'est clair. Les enfants, ils étaient là. Et puis, on les a initiés à la sorcellerie. Ce n'est pas eux. Ils ont été initiés à la sorcellerie. Ce que nous devons faire, c'est la prière. Là-bas, il y a des camps où on met les enfants sorciers et puis on les brûle. Où on peut même amputer ton pied, ton bras. C'est ton bras qui allait prendre mon argent, ok? On ampute le bras. J'ai vu ça, m'envoyer les images que j'ai vues. Ici, nous délivrons les gens. D'autres disent, ah, pourquoi toi, prophète, tu es comme ça, elle est sorcière. Mais ils sont possédés.
Nous sommes dans le christianisme, qui est symbole d'amour. Il faut aider les gens à expérimenter aussi l'amour. Jésus, lui, n'accuse pas. Il délivre. Qu'on l'avait en flagrant délit d'adultère. On vient dire, mais Jésus, on a attrapé une dame. Et Jésus dit, celui qui n'a jamais péché, qui jette la pierre. Ils sont tous partis. Ils sont concernés par le péché. Et Jésus dit, où sont ceux qui t'accusent? Moi non plus, je ne t'accuse pas. Va et ne pêche plus. Vous comprenez? Voilà, donc Jésus-Christ, avec lui, on expérimente la miséricorde, on expérimente la bonté de Dieu, on expérimente la délivrance. On dit, ah non, t'es trop gentil avec les gens. Moi, je suis amour, ce n'est pas question de gentillesse. C'est une question de comprendre. Parce qu'il faut bien écouter quand des gens parlent. D'où vient cette sorcellerie? Elle n'a pas dit, elle allait acheter pour devenir sorcière. Une nuit, sa vie a chamboulé. Ils l'ont rendu sorcier et là-bas, c'est la deuxième logique. Il faut aller tuer, il faut être gâté. Donc la personne est rentrée dedans, elle ne peut plus faire un non-retour. Donc il faut donner cette possibilité à cette personne de quitter la confrérie et de devenir personne normale avec Christ. Parce que quand on a des esprits, c'est fini. Amen. On va prier, tu seras plus tard. Ah. Donc toute la manie chaude, c'est juste ton main. Et toi, ça te dit rien. Et le monsieur là où, celui qui est fauteuil. Et comment faire le fauteuil? Il ne croit pas à ça. Vous partez à l'église? Tu deviens table. Tu vas à l'église comment? Vous m'expliquez. Assemblez-nous, le Seigneur, il est vivant. C'est tout ce que tu fais là-bas? Tu chantes chez moi? Oui, je ne suis pas chez moi. Je suis fidèle. Oui, tu es fidèle, mais pourquoi sorcier te fait table? Les enfants. C'est parce que ma marche avec Dieu n'a pas été sincère. Non, mais là. Ce sont rentrés. Donc maintenant, il faut mettre ta vie en règle vis-à-vis de Dieu. Parce que quand tu es avec Dieu, en réalité, ceux-là ne peuvent rien contre toi. La puissante main de ton esprit vient. Je te délivre ce soir. La puissance qui est dans le sang de la vie. Au nom de Jésus. Libérer désormais sa vie. Elle ne sera plus jamais sous votre contrôle. Ton âme est libérée ce soir de cette manipulation démoniaque dans le nom de Jésus-Christ. Je libère ta vie. Je libère tes finances. Je libère toute ta vie dans le nom de Jésus. Merci notre Dieu de la transformer maintenant même. Au nom de Jésus. Jésus. Tu restaures. Jésus, tu restaures. Jésus, tu restaures. Reçois ta grâce. Reçois ta délivrance. Maintenant même. Maintenant. Comme! Oh le monsieur, on a. Viens. C'est le monsieur que tu as gâté là. Son travail. Tu as gâté son travail. Comment tu as gâté son travail? Quand il va déposer son dossier, il le suit. Quand il va déposer son dossier, tu le suis. Mmh. Comment? Je le suis, lui ne voit pas même. Lui ne voit pas même, moi je le vois. Et puis je le suis arrivé à la je me personne. Lui qui nous a donné son Dieu, c'est lui une personne en lui. Et puis de votre monsieur dans une personne. Ah, t'as dit, tu le suis, hein?
Et puis maintenant, c'est le monsieur qui t'allait voir là. Toi, tu te transformes cette personne. Et puis lui pense que bon, il est arrivé. Voici le directeur. Oh, c'est toi qui devais le directeur, c'est ça? Puis toi, tu prends le papier et puis tu gâtes. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce qui te donne cette force de le contrôler? Je veux savoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui te donne cette force-là de contrôler sa vie? L'esprit en toi. Mais comment il arrive à contrôler sa vie? Ça y est, vous voyez? C'est plus fort que toi. Mais non, ça veut dire que c'est plus fort que lui aussi. Oui, maintenant, lui, pourquoi? Ça veut dire que ce qui en toi est plus fort. Ça le contrôle. Et vous ne voyez rien en lui qui est si fort. C'est ça que vous le manipulez. Seigneur Jésus, je prie aujourd'hui que ta grâce abonde dans sa vie à la puissance qui a besoin. Je libère sa vie maintenant même, dans le nom de Jésus, par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. J'expérimente ce soir la délivrance. Je libère ta vie professionnelle. Je fais prise de chair au nom de Jésus. Maintenant, une onction particulière. Je déploie sur ta vie. Pour briser les chaînes. Bam! Hey! La puissance de Dieu libère ce soir. La puissance de Dieu libère ce soir. Te libère ce soir. Te libère ce soir. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Te libère ce soir. Je libère ta vie. Je libère ta vie, je libère tes finances, je libère ta vie ce soir par la puissance de God. Allez! 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 Lâchez sa vie. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Te libère ce soir. Allez! La puissance de Jésus te libère ce soir. La puissance de Dieu te libère ce soir. Sa puissance te libère ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth. De Nazareth. Come on! Feu! Feu! Allez! Feu! Allez! Feu! Jésus-Christ te libère ce soir. Jésus-Christ te libère ce soir. Jésus-Christ te libère ce soir. Pour libérer totalement sa vie par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Nous l'avons vaincu, a dit la Bible, à cause du sang de Jésus-Christ. Je proclame ta délivrance. Je proclame ta délivrance ce soir. Je proclame ta délivrance ce soir. Dans le nom de Jésus. 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 Reçois. Reçois ce soir ta délivrance. Reçois ce soir ta délivrance. Je libère toute ta vie par la puissance qui est dans le sang de l'agneau. Je libère toute ta vie par la puissance qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La puissance humaine de Jésus te libère. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Maintenant. You are free in Jesus, Lord. Tu es libéré au nom de Jésus. D'accord. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus m'a libéré, c'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré, la vie. La vie, Jésus m'a libéré,
Commence à prier, demande au Seigneur de te libérer ce soir. Je veux voir tout le monde en train de prier. Allez, va te faire un petit peu de temps.
Continuez de prier, ne soyez pas distrait. Chacun prie pour sa vie, chacun demande une délivrance de la part du Seigneur. Seigneur, Jésus-Christ te bénit ce soir. Quitte l'esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Esprit de la sorcellerie. Lâche ton âme. Lâche ton âme. Au nom de Jésus-Christ. Parle de sa vie. Parle de sa vie. Maintenant, cet homme-là, ce jeune-là, parlez ! Va-t'en ! Lâche-la. Tu vas la libérer. Cet homme-là, tu vas la libérer. Tu vas libérer sa vie. Si. Va-t'en. Allez, lâche-la. Tu vas la libérer. C'est un ordre. C'est un ordre. Allez, c'est un ordre. Go! Fais chez toi. Pas! Nom de Jésus de Nazareth, tu pars maintenant même. Le feu consume tes œufs. Le feu sur toi. Le feu. L'esprit consume tes œufs. Tu pars. Au nom de Jésus, tu pars. Le feu consume tes œuvres. Le feu consume tes œuvres. Le feu du Saint-Esprit consume tes œuvres. Lâche-la. Le feu. Je détruis ton pouvoir. Et dans ton bras gauche. Je détruis ce pouvoir démoniaque de la sorcellerie. Dans ton bras gauche. Au nom de Jésus. Je détruis ton pouvoir localisé dans ton bras gauche. Au nom de Jésus. Allez. Tu pars. Tu libères son corps. Maintenant même. Dans le nom de Jésus. Maintenant même. Le feu sur toi. Le feu. Ouais, tu pars. Définitivement de sa vie. Dans le nom de Jésus. Je proclame la délivrance. Ce soir, je proclame la délivrance. Maintenant même. Reçois la délivrance. Dans le nom de Jésus. Tu es free, elle est libérée au nom de Jésus. Merci Jésus.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Que Dieu bénisse. Le pasteur va conduire. Vous allez aller de l'autre côté. On va continuer de prier. Et je vais en profiter pour vous recevoir. Que Dieu bénisse.